tenter d'avancer dans la tempête. Les ministres des Finances de la zone euro se retrouvent à Luxembourg ce lundi, au lendemain de l'annonce par la Grèce d'un nouveau dérapage de ses finances publiques. Les ministres devraient accroître la pression sur Athènes afin que les réformes décidées avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international soient mises en œuvre de manière résolue. Le commissaire européen aux affaires économiques a néanmoins souligné avant la réunion que la Grèce avait pris des décisions importantes ces dernières semaines et jusqu'à hier. L'autre projet au menu de cette réunion, décupler la force de frappe du Fonds de secours financier de la zone euro, le FESF. Aucune décision n'est cependant attendue tant que la Slovaquie n'aura pas ratifié les nouveaux pouvoirs du FESF décidés en juillet. Pour le porte-parole du commissaire européen aux affaires économiques, il est possible que les ministres de l'Eurogroupe se rencontrent encore le 13 octobre. Mais la date sera confirmée seulement au retour de la Troïka d'Athènes. Si la faillite financière n'est pas officiellement déclarée, les manifestations en Grèce montrent que la faillite sociale est une réalité. Margherita Sforza, Euronews, Lussemburgo.